things, hmm? Things like that. Don't you worry, putain, my friend. Ne t'en fais pas, mon ami. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Je sais pas ce que c'est, mais. Oh! Oh bordel! Faudrait créer un mode dans ce jeu pour pouvoir courir. Ok, alors par expérience, faut pas les toucher. Ah putain, ouais. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh non, 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 merde, j'y étais! Putain! Merde! Ah, c'est chaud! Ah putain, mais qu'est-ce qui me fait peur, ce con! Putain, bordel, hein, les yeux grands ouverts! Oh, oh bordel! Ah putain! Merde! Oh, il est terrifiant! Mais non, je veux que tu rallumes cette lumière! Putain! Merde, comment je peux éviter ça? Il faut que je trouve des cachets! Non, je t'en regarde pas, j'ai peur! Merci. Désolé que vous assistiez à cette séance de mouchage de dés. Mais bon, je suis un petit peu obligé quand même. Là, c'est ça où j'utilise ma manche et là, ça devient dégueulasse. Ah, si, ça devient dégueulasse. Oh putain! Je peux pas refermer cette porte? Ah putain! Je sais pas, j'ai entendu un bruit! Ok, c'est juste la porte qui s'est fermée. Oh là là là. Magnifique, hein? On dirait ma chambre. Et voilà! Visage terminé! C'est vraiment la pire expérience qui m'était permis de jouer, d'expérimenter. C'était vraiment un. C'était très bien foutu, je vous le recommande hein, si vous aimez les sensations fortes, si vous aimez avoir peur. C'était quand même très difficile. J'avoue que sans Solus, je n'y serais pas parvenu. Incroyable. Du coup, je disais qu'on m'avait survendu ce jeu. Du coup, j'avais des attentes quand même, j'avais des attentes énormes envers ce jeu. Et heureusement, c'était à la hauteur de mes attentes. Vraiment une très bonne expérience, une très bonne atmosphère. Tout était bon. Le seul reproche que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut pas courir. Et Isadox qui nous dit, le jeu conditionne bien le joueur. Oh, c'est clair, une totale immersion, le stress et l'oppression que le jeu déstabilise vite le joueur. Ah non, mais c'est ça, on est vraiment très vite dedans. Et il y a même des gens qui ont réagi à mes vidéos sur TikTok et sur YouTube en me disant, ouais, t'es nul, t'as peur pour un rien, etc. Mais je pose des passages très courts. Et en fait, des fois, les gens ne se rendent pas compte que, en fait, les moments où on flippe, c'est parce qu'en fait, il y a quand même eu une bonne demi-heure, une heure, voire avant, de conditionnement, où on a vraiment été imprégné d'une ambiance et d'une atmosphère assez sombre et très oppressante. Et moi, je mets pas tous ces passages-là. Je mets juste le passage où je flippe, où il se passe quelque chose. Et forcément, les gens ne se rendent pas compte. Et forcément, on dit, ouais, t'as peur pour rien. Mais alors, peut-être, après, chacun sa sensibilité. Mais en tout cas, moi, voilà, pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, peuvent quand même témoigner qu'il y a des passages quand même qui sont assez terrifiants. Sur ce, je vous souhaite une bonne quelle heure il est une bonne fin d'après-midi. Hein, je suis dans le noir, donc je sais même pas quelle heure il est, je sais pas où je suis. Voilà, je vais me sortir de cette expérience.